Salut à tous, c'est Magic et aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc ouais, vous avez pu le voir là sur ma chaîne. Ça fait un certain nombre de temps, ça fait plus d'une semaine. Donc, bah, on va recommencer avec les records et puis je vais reprendre un rythme normal. C'est juste que j'avais pas eu trop le temps là, j'ai eu pas mal de trucs à faire. Donc voilà, on va reprendre avec mes records, partie 2. Alors, je vais vous montrer le classement général. Donc là, je suis passé dans le top 15. Voilà. Je vais essayer aller d'arriver bah, jusque-là parce qu'après il y a une. Enfin, je vais essayer d'arriver au 11e. Parce qu'après il y a une trop grande différence. Ça va être vachement dur. Déjà que là, 20 000 points, ça va être galère à faire, je pense. Voilà. Dans le global plus DLC, je crois que j'ai reculé d'une place. Enfin, j'étais 8e pendant un moment. Je suis revenu 9e. Bon, ça va. J'ai pas encore trop bataillé dans les DLC. Je peux largement me battre. Alors, on va enchaîner sur. Non, pas statistique. Sur Crash Country, c'est suspense. Voilà. Ouais, mon replay il buguait la dernière fois. Bah, je vais essayer de le mettre quand même. Non. Pourquoi je fais jouer la piste à chaque fois? Ça, c'est terrible. Avec 21e. Voilà. Ouais, parce que franchement, ce replay il est vraiment pas mal. On va voir ce que je vaux dessus. Ouais, le shortcut au début il est vachement dur à faire. Faut avoir de la chance en fait, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est vrai que voilà. La dernière fois j'avais bug. Ouais, j'ai bugué. Bon, dommage. Alors, j'avais dit suspense. Alors voilà. Jouer la piste encore, magnifique. Alors, 28e. Celle-ci c'est une piste où il y a. Un gros shortcut à la fin qui est pas trop dur à faire. Franchement, tout le monde peut le réussir, faut juste avoir freiné au bon moment. Bah, je vais vous expliquer le moment venu. Alors, ouais, ici, appelé. Bon, pas besoin d'un salto avant, mais là, faut prendre le maximum d'élan pour pouvoir bah, directement arriver sur la plateforme. Tac, là, ici, donner un petit coup de frein pour pas partir trop loin, arriver bah, avec une vitesse convenable. Freiner un petit peu, rester sur cette plateforme et accélérer pour avoir là, pour être bien dans la rampe. Pas aller trop haut ici. Accélérer dès qu'on peut en fait pour avoir un maximum d'élan et arriver directement ici. Donc voilà, c'est ici que je vous disais, là, bam, vous donnez un tout petit coup de frein et là vous freinez à mort en mettant le stick vers la gauche et ça passe tout seul en fait. Donc voilà, le but c'est pas non plus d'aller trop haut, et c'est ça le problème, des fois ça nous envoie archi haut, mais si on met un tout petit coup de frein avant de le faire, faut pas arriver à pleine vitesse, mais vraiment, enfin voilà, franchement c'est pas trop dur à faire. Alors, problème tribal, bien sûr, encore jouer la piste, ça j'ai vraiment un problème avec ça. Appeler. Ah, mon bouton Y, je crois il bug un peu là, ça, à chaque fois. Oui, donc aussi, l'épisode 2 de University of Trial, il est sorti, donc c'est bon, c'est en anglais, c'est toujours la même chose, etc. Mais franchement, bah, ça fait toujours des petits tutos en plus. Pas des tutos ninja comme moi. Là, ma prochaine vidéo, ça va sûrement être ça d'ailleurs. Là, je vais direct enchaîner. Hop là, parce que voilà. Et bah, allez la voir, je mettrai le lien dans la description, etc. Parce que c'est quelqu'un qui fait. C'est quelqu'un qui fait vraiment un bon boulot. Voilà, c'est bien fait. Franchement, c'est bien foutu. Donc voilà, je mettrai vraiment le lien dans la description. Et il mérite. Appelé problème tribal, là c'est réglé. Alors la chute, il y a quelque chose à la fin qui est pas spécialement dur, mais c'est faut avoir quand même un peu de chance. Alors au début il y a un moyen que vous gagnez vraiment beaucoup beaucoup de temps. Voilà, c'est mais vraiment ça peut se jouer à 3 secondes près par rapport à votre corps. Ici on essaie d'avoir un maximum d'élan ici. Juste atterrir sur la roue arrière et normalement ça fait passer tout d'un coup. En fait, le but c'est vraiment de passer au-dessus des voitures. C'est ça qui fait gagner le plus de temps. Après, continuer machin, non, mais voilà, passer au-dessus des voitures d'un seul coup sans être freiné, ça c'est plutôt pas mal. Franchement, ça fait gagner beaucoup de temps. Quitte à recommencer une trentaine de fois pour pouvoir faire ça. Donc voilà, c'est ici. Là, faut mettre sa tête en avant pour pas partir trop loin et essayer de prendre sur la roue arrière. Bon, moi, c'est pas ce que je fais, mais. En tout cas, plus on prend sur la voie arrière, plus on va aller loin, et c'est ce qu'il faut. Et en gros, voilà, faut prendre la rampe pour avoir le plus d'élan possible. Enfin, faut prendre le plus d'élan possible pour pouvoir faire le grand saut, quoi. Donc, pareil, ça fait gagner beaucoup.
Alors, pression sur la jetée. Ah, ça c'est une piste que je déteste. Enfin, que j'aime, ouais, que j'aime pas du tout en tout cas. Pour faire un speedrun dessus, c'est vraiment la galère. Donc, ouais. Donc, déjà le début, bon. Comment? Voilà, on arrive directement là, on accélère, bam bam. Là, on essaye de prendre que sur l'arrière pour éviter d'aller trop haut. Franchement, ça c'est une piste que j'aime pas parce que voilà, ici, exactement ici, voilà, pour passer directement d'un seul coup, c'est trop dur parce que moi souvent je touche avec mon dos au-dessus. Et franchement, ça c'est pas cool. Bon, la fin c'est. Voilà, faut aller le plus rapidement possible sinon on tombe dans l'eau. Et en tout cas, on n'a pas assez de vitesse après pour passer tout d'un coup. Alors, cimetière des titans. Ah, cimetière des titans. Eh bien sûr. Cimetière des Titans, c'est quelque chose que. Enfin, c'est une piste que j'aime bien. Que j'aime beaucoup. Et là, si vous avez pu voir, c'est Konzio, il a 4 secondes d'avance sur moi. Parce qu'en fait, le début, il a fait le shortcut. Donc, il y a sûrement beaucoup de personnes qui le connaissent. Il a fait le shortcut, mais vraiment à la perfection. Et moi, j'aurais pu le faire à la perfection, vous allez voir. Juste, j'aurais dû m'incliner un tout petit peu plus sur la roue. Enfin sur ma moto un petit peu plus en avant et je serais passé comme lui et voilà mais j'ai fait vraiment de la merde donc voilà là faut uniquement prendre sur la roue arrière bon je vous conseille un peu pas quand même ça dépend si vous gérez bien vous faites voilà donc là on prend la descente machin on continue on passe en dessous ici un plaid ici il y a un écureuil vous pouvez reculer et à ce moment-là il faut reculer et, il y a un écureuil ici et donc là ici on n'accélère pas. Et mais enfin après il faut accélérer et freiner même pour pouvoir voilà, avoir toute une tête. Et là ici il faut vraiment rester sur le plus longtemps sur la roue arrière, enfin la roue arrière le plus longtemps au sol pour pouvoir passer tout d'un coup. Ça permet d'aller le plus haut possible et passer voilà, tout d'un coup. Voilà, bon pas besoin de prendre sur la roue arrière non plus. Ici faut accélérer à fond et là freiner pour éviter de se manger les machins à la tête. Pas partir trop et voilà mon replay il aurait pu être beaucoup mieux mais là à la fin j'ai complètement foiré là voilà enfin, toute la fin j'ai un peu raté dans mon replay j'aurais pu être largement mieux classé au moins être devant Spirox là largement j'avais 600 je crois de retard enfin d'avance mais de retard par enfin je me comprends bon, voilà quoi alors cimetière des trains celle-ci j'aime pas trop non plus appelé 32 bref. Yeah, parce qu'il y a pas mal de shortcuts et ils sont assez difficiles et à faire. Bon, le premier il est pas spécialement dur, vous allez voir. Alors bam, on commence. Là, on va le plus loin, on s'arrête pas ici, on s'en fout, voilà. Et là, c'est ici le shortcut. Là, faut essayer de prendre avec la roue arrière et du coup on passe tout d'un coup. Et là, ça vous fait gagner énormément. Voilà. Et ici, essayer, enfin voilà, mais ça c'est vraiment pourquoi la piste j'aime pas, c'est parce que c'est vachement dur à faire. Donc voilà, je conseille, enfin sauf si vous voulez atteindre le top 50, etc. Évidemment, vous devrez le faire, mais sinon c'est un peu dur à faire et passer normalement parce que j'ai vraiment mis longtemps à faire ce replay là. Alors on enchaîne avec fondu, elle est pas mal. Hop là. Ah, je suis vraiment pas loin derrière Spirax. Ah, et je me suis vraiment battu de pas mal enfin, de secondes sur une piste que j'avais présentée précédemment. C'est dommage que. Parce que j'ai joué depuis la dernière fois. Et je me suis vraiment bien battu. Alors, ici, truc vachement important, c'est qu'il faut freiner et pas se manger le machin. Et là, passer en dessous. Donc quitte à freiner longtemps avant et passer tranquillement ici, bah vaut mieux faire ça que passer en haut parce qu'on perd trop de temps passer en haut. Putain j'ai soif, c'est un peu de fou, j'ai la gorge vachement sèche, pardon, putain je galère avec les cheveux et le seuf. Oh là là. Et toujours pour passer la tête en avant, ça permet de gagner 200, 300, c'est vachement important. Ouais, pourquoi je suis revenu trop en arrière? Voilà. Alors, point d'observation. Alors, ce replay. Même si j'ai fait un replay de merde, enfin, merde. Ça va, vous voyez, je peux me battre de pas mal de secondes, on va dire, allez, 1 seconde, voire plus. Mais jamais je le battrais. C'est un de mes plus beaux replays parce que j'ai eu une chance incroyable. Mais vraiment,
J'en suis encore choqué. Et oui, ma moto, elle n'était pas rouge, mais elle était pas rose, mais rouge. C'est une ancienne moto que j'avais. Ma toute première, en fait. Et en fin de compte, j'ai jamais voulu battre mon replay. Et même si, genre, j'avais 10 secondes de retard, etc., je le battrai pas parce que franchement, il est magnifique. Enfin, c'est mon point de vue. C'est mes deux mon points de vue, pardon. Et c'est vrai qu'avec la color correction de cette piste, on dirait ma moto, elle est rose. Voilà, donc là, ça commence, là, la chance, là. Hop là, tout sur la roue arrière. Hop là, tout sur la roue arrière. Hop là, le tremplin en roue avant. Voilà. Bon, bah, c'est quelque chose. Je peux me battre forcément parce que j'ai perdu du temps, mais j'ai vraiment pas envie de me battre. Prospecteur, hein, prospecteur, 9e. Toujours derrière Spirox, là, il est 8e. Bon. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, ouais, le début, bah, pas aller trop haut. Normal, sinon on perd du temps, toujours, hein, je le répète. Voilà, là, essayez en fait de bien retomber sur la roue arrière pour avoir un maximum de vitesse et passer directement d'un coup. Sans s'arrêter. Ici, il faut aller le plus loin possible. Pas besoin de prendre sur la roue arrière, mais bon, c'est pour assurer un peu plus. Mais normalement, ça passe assez facilement. Tac, là, faut pas aller trop loin pour bien retomber dans le U. Et la montée à la fin, moi j'ai un peu de mal à la faire, enfin en tout cas à gagner du temps dessus, surtout ici. Voilà, là essayer de prendre sur la roue arrière pour gagner encore un petit peu de centième. Bon, j'aurais pu faire mieux, mais bon, je suis assez content de moi. Alors, on continue sur dommages collatéraux. Archipelago, voilà, Spirox, ce copieur. Regardez le temps qu'il a fait. Il a changé son drapeau en plus. Voilà, on a fait exactement le même temps. Moi, c'était mon temps pour le tournoi Ubisoft France là que j'ai fait. J'avais vraiment bataillé une semaine complète dessus pour pouvoir le faire. J'ai vraiment galéré à le faire. Voilà, ancienne moto. Mais ça va, je suis assez content de moi. C'est relativement pas mal quand même. Voilà, on cherche toujours le centième près. Ah voilà, alors ici. Ici, faut que vous alliez le plus loin possible parce que sinon vous allez rester bloqué en fait. Je sais pas, il y a un bug au niveau de la construction de la piste, il y a un genre de truc invisible qui vous bloque. Faut vraiment aller le plus loin possible au niveau de la main. Et c'est dommage. Que dire d'autre? À la fin, bah voilà, ça va. La fin, elle est relativement facile, tout le monde peut le faire. Et la tête toujours en avant. Là, j'ai perdu du temps. Je l'ai mis trop en avant justement. Et du coup, enfin voilà, j'ai raté un tout petit peu. Alors Doc, j'aime pas trop. Tout ce qui a la pi enfin tout ce que les pistes sont en rapport avec de l'eau là, j'aime pas. Je sais pas pourquoi. Doc et l'autre piste là, je sais plus comment ça s'appelle, de toute façon on y viendra. Alors au début, bah moi j'ai pris cette moto, il y en a qui prennent la Phoenix. Au final, ça revient toujours à peu près la même chose en fait, sauf à la fin en fait, on voit vraiment la différence à la fin. Ici, j'ai peut-être du retard par rapport à si je prenais la Phoenix, mais on peut voir que, enfin, à la fin en fait, c'est cette moto qui fait gagner le plus de temps. C'est vraiment équivalent en fait. Alors ici, il y a le shortcut qui est pas trop dur à réaliser, faut juste bien retomber sur les deux roues en même temps pour bouncer le plus haut possible en fait. Et c'est pas trop dur à faire, faut juste bien savoir et bien synchroniser ses deux roues et tomber les deux en même temps. Ici, pas aller trop vite, sinon on tombe dans l'eau, quoi. Bon, moi je passe sur la roue arrière, mais bon, c'est toujours pour éviter de partir trop haut. Ouais, faut vraiment pas essayer de m'imiter si vous êtes dans les 10 millièmes, parce que c'est vrai que ça va être trop dur, ça va être. Enfin, vaut mieux augmenter par palier que tout d'un coup, quoi. Sinon vous allez être dégoûté du jeu. Alors prise de tête, ouais, celle-ci c'est une piste aussi que j'aime pas. Elle me prend la tête. Oh, c'était drôle. Et donc voilà, là on prend sur la roue arrière, toujours pour éviter d'aller plus haut. Voilà, ah, il bug aussi. Ok.
Ah non, mais c'est vraiment dommage parce que à la fin il y a un shortcut qui est. J'aurais bien aimé vous le montrer. Voilà, port en chantier, c'est l'autre piste que j'aime pas là qui est dans la flotte. Alors, au début, bah, rester un maximum sur la roue arrière, toujours essayer d'accrocher un max. Ça permet d'avoir de la vitesse. Hop là, on va le plus loin possible sans aller trop haut. Que dire de ouais, voilà, là on essaie d'aller plus loin et freiner ici. Il faut freiner pour avoir de l'élan et rapérer le plus loin. Hop là. Et ici, il faut également freiner. Et là, si vous pouvez, prenez un maximum de vitesse pour atterrir directement sur la deuxième. C'est beaucoup plus simple. Et ici, bah, terminer gentiment, quoi, parce que y a pas trop de technique sur celle-ci, quoi. C'est pour ça que je l'aime pas. Trial des Limbes. J'étais deuxième mondial. C'est aussi pour le tournoi Ubisoft France que j'ai fait ce replay. J'étais deuxième mondial derrière Killar. Mais en fait, j'avais fait tout à la fin, en fait, il y a un shortcut où on se prend pas les roues dans les rouages. Et j'avais fait, je suis mort juste sur la bascule. Enfin, vous verrez, je vous montrerai. Et j'avais vachement le seum, pardon, que. Enfin, voilà. Ouais, du coup, ça fait un replay. Bon, il est pas mal, franchement, je suis bien classé, etc. Mais bon. En plus, j'aime pas trop cette piste quand même. Ici, ouais, essayer de passer directement, c'est un peu dur. Faut prendre la descente en roue arrière pour que ça fasse glisser la roue avant et du coup on rebondit et on va plus loin. Tac, ne pas aller trop haut ici. Bah, suivre les rampes en fait. Et donc là, c'est ici, là. Ici, normalement, on peut, enfin, pour gagner du temps, voilà, notre roue, enfin, on se prend pas dans le rouage et puis bah, moi j'avais fait, là, je suis mort sur la bascule. Et c'est dommage parce que je pense que j'avais encore une seconde de moins. Et du coup, bah, je me retrouve avec ce replay là où je l'ai pas fait. Donc c'est vachement dommage. Et on se retrouve, bah, pour la dernière piste, usine électrique. Usine électrique, alors je suis 23ème. Alors vraiment, usine électrique, j'aime pas trop parce que on a pas un. Enfin, on n'est pas assez libre sur cette piste en fait. Si on avance trop vite, on se prend le plafond. Si, enfin, on est trop limité au niveau. Enfin voilà. Donc si passer en dessous ou au-dessus, ça revient à peu près au même. Honnêtement, parce qu'on perd du temps en freinant. Ici, faut éviter de prendre le deuxième escalier, donc on prend le plus d'élan possible. Là, on passe au-dessus. Tac. Et voilà, faut vraiment passer par là, c'est le truc le plus rapide. Et voilà. Donc on va investir là sur cette image. Ah non, non, on la voit pas parce que normalement je crois on atterrit dans des toilettes sur celle-ci à la fin. Mais comme je suis sans replay, non. Donc bah voilà, la prochaine fois on va se retrouver sur Amoureux des arbres. J'aime bien celle-ci par contre. Donc bah je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.